Voilà, Télévision Nationale d'Haïti, nous en direct depuis Ville au Cap, et dimanche 24 septembre 2018, ça. Côté, n'a pas des téléspectateurs vivent comment ça pourra le passer. Président de la République, là, lui-même, qui, depuis Ville au Cap haïtien, l'a pris avion, question pour la New York, elle représente la 63e assemblée, et l'ONU. Et c'est son première pour la CP bonne raison que depuis l'aéroport ça lui-même été inauguré, et puis c'est son grande première pour la CP bonne raison que le président de la République lui-même lui choisi sorti de Cap Haïtien pour arriver à New York à participer dans la 73e assemblée générale l'ONU qui déjà commencé. Mais faut dire que 73e assemblée ça lui-même il commence depuis 18 septembre, mais séance plénière côté chef d'État avec chef gouvernement a bien pour prendre la parole là. Li a commencé à partir de lundi 25 septembre ça, et président de la République là lui-même l'a prend vol depuis Ville au Cap jeudi à dans dimanche 24 septembre ça pour aller participer à le représenter pays d'Haïti dans l'ONU dans ville New York. Et télévision nationale d'Haïti lui-même lui présent dans Ville au Cap, c'est une parmi activités que t'es gain pour journée, mais faut rappeler que première activité et président Jovenel Moïse t'est participé là-dedans jeudi dimanche là, c'était intronisation du moins prise de possession canonique monseigneur Loné Satune étape fait dans archidiocèse au Cap là côté, et c'est jeudi dimanche ça mon nouvel archevêque archidiocèse au Cap là lui-même lui prend possession dans archidiocèse ça. Les rappeler que archidiocèse ça lui-même lui gagne lui couvrir Grand Nord, les n'a parlé de Grand Nord, nous voulons parler de l'Artibonite et département Nord-Ouest, département Nord-Est, et que c'est tout haut état-major, pour ne pas dire toute grande autorité dans l'Église catholique qui était présent, accompagné de président de la République là, et président de branche dans le Parlement qui était présent pour première messe, ou du moins prise de possession canonique, Monseigneur Loné Satune était venu faire dans la ville Cap-Haïtien. Et je me rappelle là, deuxième grand événement dans la ville là, c'est côté président de la République là lui-même, lui présent dans le salon diplomatique à l'aéroport international Ville au Cap là, pour lui-même, lui capable de prendre vol depuis Ville au Cap pour lui rendre dans New York, côté lui pral participer dans la 73e Assemblée Générale l'ONU qui déjà commencé, mais je ne dis là depuis 18 septembre il commencé, mais séance plénière au côté chef l'État, chef gouvernement a bien pour prendre la parole là, il aime la commencer sorti 25 pour arriver date 28 septembre. Et nous demandons tout le monde rester branché pour capable vivre moment fort qui pourra gagner pendant la journée avec Télévision Nationale d'Haïti. C'était toute une équipe qui mobilisait jusqu'à présent dans Ville au Cap pour aider au vivre moment fort ça dans deux grandes activités ça pendant la journée dimanche 24 septembre 2018 là. Tortellis family. C'était dans 73e assemblée. Tout le monde, une force mondiale, côté que partager responsabilité yo, au service de toute société yo, pour capable des sociétés équitables et durables. C'est sous thème ça, année ça, débat général yo même y a fait. Faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités au service de sociétés spécifiques, équitables et durables. C'est sous thème ça. 13e session Assemblée générale de l'ONU qui l'ouvre déjà depuis 18 septembre 2018. Mais je ne connais là grand débat au même il a commencé à partir de 25 septembre ça lundi 25 septembre ça et jeudi à 24 septembre président de la République lui-même il était présent dans Ville au Cap côté dans un premier temps il a participé dans prise de possession canonique monseigneur Loné Satune. Et comme nouvelle
évêque ville au Cap et pour te venir diriger et archidiocèse cap-haïtien ou archidiocèse Jean Connel là qui gagne toute diocèse dans grand nord pays. Faut dire que 73e assemblée générale ça lui même qui déjà l'ouvrit depuis 18 septembre 2018 et c'est la présidée par madame Maria Fernanda Espinosa Garcés. C'est un monde qui sorti dans l'Équateur et lui même il était élu le 5 juin 2018 pour capable venir présider assemblée générale ça Jean Connel là qui lui même déjà commencé depuis le 18 septembre 2018. 73e assemblée ça qui déjà l'ouvre dans la ville New York dans pays États-Unis et faut dire que dans liste monde qui a bien pour intervenir nous gain chef l'état lui même qui a bien pour prendre la parole jeudi 27 septembre 2018 ça et faut rappeler pour tout faut souligner pour tout le monde que assemblée générale là c'est principal organe et c'est côté en pile décision prend et c'est à partir de l'Assemblée générale ça chaque pays membre 193 états membres l'ONU eux-mêmes yo représenté et c'est à partir d'Assemblée ça que considéré comme un organe qui côté eux-mêmes chaque monde fait parler voix eux porter doléances par eux porter demande par eux porter suggestion par eux pour capable parler pour pays par eux il faut dans le mois de septembre, côté tout pays membre, au complet, ils ont même réuni dans New York pour. Et faut dire que les n'a parlé de débat général annuel là c'est semaine côté chef l'État avec chef gouvernement eux-mêmes, ils ont commencé à prendre la parole, ils commencent à prendre la parole dans l'ONU et faut dire que débat général là lui-même c'est côté est toujours fait dans le siège de l'ONU, hein, côté que il y a des questions qui ont rapport avec le monde, chaque sac a passé dans le monde, dans quel que soit côté dans le monde, hein, et débat ça a eu une fête. Et là, c'est dans quelques minutes encore, chef l'État lui-même l'a bien pour capable arriver sous tamac. Au point international au Cap là, et accompagné de première dame de la République là, et le ministre Jean-Henri Seyen et président de branche dans le Parlement présent avec le Premier ministre lui-même, il est accompagné de plusieurs membres dans le cabinet ministériel là pour venir accompagner le président de la République lui-même qui prend vol depuis l'aéroport international au Cap là pour le rendre ligne dans la ville de New York pour participer dans la 73e session régulière. Ça n'est l'Assemblée générale annuelle l'ONU ça. Côté Jean dit là, c'est un assemblée qu'a fait autour comme thème faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service de sociétés pacifiques, équitables et durables. C'est autour de thème ça assemblée ça lui-même l'a fait année ça et chef l'État et lui-même l'État doit prendre la parole jeudi 27 septembre qu'a venir là. Bien avant, il prend la parole, il y a des réunions que il gagne pour le faire avec plusieurs autres et en pile entrepreneurs, etc. C'est une raison qui fait que le président lui-même l'a déplacé jeudi dimanche 24 septembre ça pour rendre l'île dans la ville de New York pour aller participer dans la session générale annuelle ça 73e de l'ONU et déjà là sous tamac là il y a un pile autorité locale et nationale qui réunit pour venir souhaiter président de la République là bon voyage et faut dire que là et nous attendons comment bien stand est là et avec un troubadour lui-même qui sous ton parle à présent sous ton parle lui-même l'a dit président bienvenue et bon voyage du même coup et son tama qui gagne pile monde là-dedans. Et voilà son local qui pour même qu'a suivre à l'étranger qui veut dire pile bagaille pour même qu'a suivre la carou là attendez on troubadour qu'a jouer ça veut dire pile et c'est dans ambiance comme ça chef l'État lui-même accompagné
et Premier ministre Jean-Henri Seyeur et président de Branche Parlement. Nous voulons faire référence à président Gary Baudot, président Chambre des députés, à Joseph Lambert, président du Sénat de la République, accompagné de plusieurs autres membres du cabinet ministériel là qui présent sous Tamak Aéroport International au Cap-là pour venir accompagner le président lui-même qui a appelé ce pays d'Haïti pour rendre l'île dans la ville de New York jeudi dimanche 24 décembre et 24 septembre 2018 ça, pour aller participer dans la 73e Assemblée générale annuelle de l'ONU et Cap Fête qui déjà l'ouvre depuis 18 septembre qui s'est passé là, mais débat général lui-même il a commencé à partir de lundi 25 ça et déjà nous connaissons que le chef de l'État lui-même l'a bien pour prendre la parole pour aller parler pour aller défendre l'intérêt Haïti jour cap jeudi 27 septembre ça sous tribune l'ONU côté que là et bien pile le chef de l'État lui-même l'a bien opportunité pour défendre les sept grands axes de gouvernement là sept grands axes de l'administration là et nous connaissons déjà énergie infrastructure état de droit c'est ensemble de thématiques c'est ensemble de thèmes qui entraînent un axe prioritaire gouvernement ça et là je dis encore une fois j'aime dire là président de la République là il a envie de faire la différence j'aime toujours dire là côté que lui-même il décide de prendre avion et traditionnellement c'est n'importe où presque ça fait mais je dis à l'envie fait différence là il prend avion depuis ville au Cap dans le pays New York et à bord d'un vol commercial et dans quelques heures c'est nous pas l'opportunité de vivre et côté président traditionnellement là bien pour capable fouler tamak la question pour venir saluer et toute autorité qui fait déplacement pour venir souhaiter le bon voyage et saluer reste membre dans la population avec curieux qui présent dans sous piste aéroport international au Cap là je dis la télévision nationale c'est un plaisir son devoir pour nous rendre nous chaque côté qui gros événement particulier pour nous porter pour soutenir si écran parois, la chaîne de service public, c'est ça, on apprend service ça. Puis pour ajouter davantage pour nous aider, vivre. Mais il faut rappeler tout le monde que le président de la République a quitté parti à partir de Ville au Cap pour rendre New York, partait plus gros événement. Ce n'est pas seulement cet événement ça qui est pour journée. Hein? Il était gain intronisation du moins prise de possession canonique et monseigneur Loné Satuné lui-même qui vini jeudi à 24 septembre 2018 ça comme nouvel archevêque ville au Cap nouvel archevêque archidiocèse au Cap là un archidiocèse qui gain 4 diocèses là-dedans et nous voulons parler de diocèse des Gonaïves diocèse de Port-de-Paix Fort Liberté qui là-dedans et ville au Cap 4 diocèses sao c'est au même qui considéré comme archidiocèse ville au Cap là et c'est jodi à monseigneur Loné Satuné lui-même il prend possession de archidiocèse ça comme nouvel archevêque dans ville au Cap et c'était un grand événement côté cathédrale au Cap là lui-même il était bondé en pile monde dans l'église catholique dans l'église catholique était présent fidèle curieux tout le monde était présent pour première messe pour grande messe ça et pour grande messe ça et encore une fois m'a bien nous vivre troubadour ça qui a fait délice en pile monde qui présent dans aéroport là. Tortellus family.
Et voilà, c'est son coup de pause, le temps que... Et voilà, dans, j'aime bien annoncer là, dans quelques minutes près, et nous pourrons avoir l'opportunité pour nous, chef l'État lui-même, qui accompagné de Premier ministre Jean-Henri Séan, les présidents des deux branches du Parlement, les présidents des deux branches du Parlement, qui parlent fouler Tamara, et j'aime te signaler là, qui a accompagné de première dame dans lui-même. Et là, il est arrivé sous ta macla, sous tapis rouge là, question pour capable et recevoir hymne présidentiel là, les honneurs. Bien avant, il prend vol pour rentrer dans la ville de New York. Voilà, c'était hymne présidentiel. Et voilà, nous sommes de là, nous on a appelé tout le monde, nous depuis l'aéroport international au Cap, côté chef l'État lui-même, et accompagné de première dame, non, de Premier ministre Jean-Henri Séan, ministre justice là, ministre intérieur là, présent, président Lambert présent tout, président Sénat présent. Sous ta mac là, comme la quitté pays d'Haïti, a décidé de ville New York pour la participer dans 73e session ordinaire. Le thème débat général, c'est l'ONU côté. Monde qui doit retourner en force mondiale qui fondée sur responsabilité partagée et pendant que qui scientifique et durable et là c'est chef l'État les mêmes qui montent machine le temps que il est capable de arriver dans que là et c'est là nous trouvons depuis aéroport international au Cap là pour nous vivre départ chef l'État pour ville New York pour participer dans 73e session régulière là qui déjà commencé depuis 18 septembre qui sont passé là et côté débat général là même il a commencé demain lundi 25 septembre non et il a prend fin le 28 faut signaler pour tout le monde que chef l'État lui-même il fait partie de liste intervenant les speakers qui a bien pour prendre la parole sur tribune là et date qui retenu pour nous capable suivre en direct intervention chef l'État c'est jeudi 27 septembre côté chef l'État lui-même là bien pour prendre la parole sur tribune l'ONU hein, et côté l'ESA là bien pour parler présenter les sept grands axes de prioritaires de gouvernement par là et il faut signaler que jeudi a en plus de départ président, mais c'était occasion côté chef l'État était venu assister à prise de possession canonique de Monseigneur Léonie Satunier, lui-même qui tournait nouvel archevêque et archidiocèse ville au Cap. Il connaît que archidiocèse là lui-même, il y a quatre diocèses là-dedans, diocèse de Gonaïves, diocèse de Port-de-Paix, diocèse de Fort-Liberté. Et diocèse de Cap-Haïtien, et c'était première messe, et Monseigneur là, et c'était un devoir pour chef l'État, était présent, accompagné de président de Brèche en Parlement et plusieurs hauts dignitaires dans l'Église catholique qui étaient présents, accompagnés de plusieurs fidèles et curieux. Dans Ville au Cap, c'était deux grandes activités, deux grands événements qui étaient dans Ville au Cap jeudi, et Télévision nationale, t'es baillé tête les devoirs, t'es baillé tête les obligations, ça, pour te rendre ou vivre chaque moment fort en dedans. Activité ça et encore une fois nous remercions parce que tu as été obligation pour te suivre télévision nationale d'Haïti et équipe la remercie il m'a pour être connecté et te suivre programmation depuis Ville Cap-Haïtien télévision nationale d'Haïti et bon dimanche à tout le monde.